pousse quelqu'un à franchir les frontières de l'expérience humaine, à affronter l'inconnu. Quand on est enfant, on pose des questions tout le temps. On apprend, on accepte. Et peu à peu, on perd notre sens de l'émerveillement. Sauf certains. Les explorateurs qui cherchent la vérité. Ce sont ces pionniers qui dessinent l'avenir de l'humanité. Ces gars-là, ils sont cuits. On n'arrivera pas à les convaincre de nous emmener là-haut. La cité perdue est dans ces montagnes. Ça va pas être une partie de plaisir. C'est pas ce qui va m'arrêter. Je me doute. Tu devrais rester là, avec eux. Ouais, compte là-dessus. Qui tombe de ses pics, c'est mauvais signe. En même temps, je crois que n'importe qui pourrait gravir n'importe quelle montagne pour notre belle Lara. Salut à tous, c'est Dark Funeral. On se retrouve pour la petite vidéo découverte sur Rise of Tomb Raider. Une petite vidéo qui aboutira sur un live sûrement ce soir, aux alentours de 19-20h. Ouais, je m'arrête pas. Aux alentours de 19-20h ce soir, au moment où vous regardez cette vidéo, un live pour continuer. Rise of Tomb Raider, et si le jeu me plaît et qu'on avance super bien, et ben je mettrai les rediffs sur YouTube pour en faire un let's play. Ne vous inquiétez pas, Assassin's Creed Syndicate va continuer. J'ai juste le temps de tout cut et de tout upload là. J'ai 2-3 épisodes que je viens de re-upload. Tout va arriver, ne vous inquiétez pas. Oh merde! Est-ce que ça va? Ouais, on va y aller doucement ici. Je vais bien passer là. Non! Pourquoi c'est toujours à moi qui l'invite des merdes? Merde! X! Oh, il a fait. Pourquoi? Il y a qu'à Lara Croft qui arrive ce genre de merde. Hein? Oui, attends, je saute latéralement. Oh, merde! Jonah! Je suis là! Bouge pas! Je descends te chercher! Non! Non! C'est trop dangereux! Je peux remonter toute seule! Autant j'irai au bout du monde pour Lara, autant j'irai pas la chercher au bord d'un ravin. Mais elle est têtue, hein. On lui a dit de pas bouger. Allez. Allez Lara, t'es la meilleure. T'es la plus belle. Ah d'accord, faut que j'appuie sur X. Mais ça ils le disent pas les gars. Regarde, tu me vois Jonah? Regarde, je vais vous montrer un skin incroyable. Hop là, ah ça y est, là on me le dit. Ah peut-être que j'étais peut-être pas censé le faire tout à l'heure. Mais bon, on va dire que la logique était... Ouais, tiens-moi bien, My nigga. Bah, ça va bien, toi. Ouais. Allez, viens. Ok, Chaberen, mon frère. On nous aller. Bah, je passe, ma gueule, je passe. Est-ce qu'on va trouver ce que l'on cherche, là? Ça, c'est la question du soir, du jour... Du décennie, du siècle. Pas mal. Si tant se gâte, on pourra toujours se réfugier ici. Ok. Tu crois vraiment qu'on va trouver cette cité perdue? Aucune idée. Je sais que c'est pas la plus fiable des infos, mais ce vieux guide a dit qu'il avait vu des ruines dans les montagnes. Est-ce que vous avez pensé à redescendre? Ouais. Et si je voulais cacher une ville tout entière, je choisirais un troupeau né comme celui-là pour le faire. J'espère que les trinitaires n'ont pas été plus rapides que nous. Bon après il a fallu qu'on y aille. J'ai l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux. Vous savez, la montagne de je sais pas quoi. Comment s'appelle cette montagne? On est presque au sommet. Ça y est, la montagne dans le Seigneur des Anneaux le premier.
Oui, choisi par les montagnes ou par les mines. Et qui décide de passer par la montagne. Et qu'après il va aux mines finalement. Qu'est-ce que t'en penses ? Mais c'est la même montagne. Touche au but, Jonah. J'en suis certaine. Encore un petit effort et on y est. Très bien. Allons voir ce qu'il y a là-haut. Donc alors. Reste quand même près du mur. Ok. J'ai une question toute simple. Si tu tombes, vu que tu fais 4 fois mon poids, est-ce que je meurs ? Il va falloir grimper. Attention aux morceaux de glace qui se détachent. Ouais, t'es prêt ? Allez, c'est parti. Et pourquoi on s'est attaché en fait ? Ça m'a l'air solide, mais reste quand même près du mur. Ok. À partir de là, il va falloir grimper. Il va peut-être pas que je saute. Ouais, t'es prêt ? Allez, c'est parti. Ok. Donc je disais, à quoi ça sert de s'attacher si on tombe ? C'est deux comme des merdes. C'est très friable par ici. On va progresser tout doucement. Reste avec moi. C'est, on va progresser tout doucement, moi je... Et moi, la... Oh la vache! C'était moins une! Allez, go, montons vite là! Ok, faut appuyer sur X à chaque fois pour s'accrocher, faut que j'y pense. Faut que j'aille au-dessus. Hop là. Putain, mais y'a des gens qui font ça en vrai! Je pense! Bien sûr que je peux. Ah ! Oh putain, je crois que je vais pas pouvoir le faire. Bouge pas, j'ai fixé une corde pour toi là-haut. Ça marche, je vais te donner un peu de mou. Ah bah là, va falloir que t'en donnes du mou, je te le dis. J'aurai l'effort là, t'es presque. Il doit m'arriver une connerie. Non ? Ok. Putain mais... T'es trop forte. Bon après je pense pas qu'un mec fait ça en vrai hein. Défier les lois de la gravité je pense que c'est un peu compliqué. Mais genre escalader des montagnes avec des pioches et tout. Genre les mecs tous les jours le matin va se dire bon bah les gars c'est... What? Il y a une ville là normale. Jonah, on a réussi. J'aperçois les ruines. Monte. Ah, tu sers à quelque chose. Est-ce que tu m'entends? Oui. Attends, je vais te remonter. Oh putain! Là! Regarde là! Vite! Balance-moi vers l'autre côté! Ok, accroche-toi! M'accroche, Manny. Allez, go! Accroche-toi, Jonah! Je te tiens plus! La corde m'échappe! Allez! Grimpe! Grimpe! Je grimpe, ma gueule, je grimpe! Bon bah, adieu, Jonah. Il va mourir. Attention, reste pas là! Entre, Jonah! Ok. Bon, j'appuie sur X là dans le doute pour m'accrocher tout le temps. Je sais pas si ça s'accroche tout seul, il faut que j'appuie tout le temps sur X. Donc j'appuie sur X. Oh merde. Allez, cours Lara, cours. Merde, y'a un avion. Fais chier. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des. Sortiment. D'accord, y'a des cailloux. Ah merci, les cailloux me sauvent. Attendez, j'ai pas appuyé sur X pour voir. Elle s'accroche quand même. Il m'arrive que des merdes, bordel. Ok, je glisse. Wouhou, accroche-toi, Lara. Un petit coup de piolet. Wow.
Ah. Ok, le X c'est pour s'accrocher avec le piolet. Enfin, le piolet, le je sais pas quoi, la pioche là. Oh merde, 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 merde. Non mais plus malchanceuse que toi Lara, est-ce que ça existe? On devrait inventer une expression rien que pour toi. Avoir une Lara. C'est-à-dire pas avoir de chance. Merde. Oh, ça a tué l'action. Oh, je suis déçu. Vite, ma manette, t'as plus de batterie, vite. Bon, ok, d'accord. C'est ma faute. C'est ma faute, les bras. Je branche la manette. Je la branche. En tout cas, heureusement, c'est pas arrivé au moment opportun. Stop. Oh, merde. Ok, j'ai l'impression d'être, d'être pris dans une vague, là. Oh shit les gars! Oh c'est tendu là! Deux semaines plus tôt. Ah d'accord! Ça spoil! Dès le début ça nous lâche un spoil! La pire des cruautés qui nous sont infligées est la brutalité avec laquelle la vie se termine. Vieillissant, nous déclinons, nous mourrons. Et quelles traces laissons-nous derrière nous? Des os? De la poussière? Que devient notre âme? Est-ce qu'elle quitte notre corps pour continuer à exister? Je pense que c'est le cas. De nombreux mythes et légendes reposent sur une vérité toute simple, pas une vérité scientifique, mais quelque chose de plus profond. Le secret si bien gardé de la vie éternelle. Je pense avoir découvert une nouvelle pièce du puzzle. Mais je ne suis pas le seul à poursuivre cette quête. Ils me suivent. Ils épient chacun de mes pas. À présent, je sais qui ils sont. Les Trinitaires. Une ancienne secte aux méthodes violentes qui cherche à contrôler le devenir de l'humanité. Je dois agir avec prudence pour protéger ma famille. Si par malheur quelque chose arrivait à Lara ou à Anna, jamais je ne pourrais me le pardonner. Attendez pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a encore un article sur toi dans la presse à scandale. Je me suis dit que tu aurais besoin de parler. Foutaise. Tu as été suivie? Suivie? Mais bien sûr que non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai enfin trouvé le tombeau. Tu ne parles pas sérieusement, j'espère. Le mythe du prophète est bel et bien réel. Papa avait raison. Lara, ton père était perturbé. Non. Il était sur le point de faire une grande découverte. Une preuve tangible de l'immortalité de l'âme. Tu sais que j'aimais Richard. Je l'aurais épousé s'il avait voulu. Mais il était en piteux état. Je ne veux surtout pas que tu finisses comme lui. Mais Anna, il avait raison. Ce sont tous les autres qui se trompaient. Le tombeau est en Syrie. En Syrie? Oh non, Lara! Pas ça! C'est de la folie pure! Il faut que tu te ressaisisses. Tu vas rentrer au manoir. Tu sais bien que je peux pas y retourner. C'est cette obsession qui a détruit ton père. J'ai été témoin d'une chose. Une chose que je croyais impossible.
Maintenant, je sais exactement ce que ressentait papa. Ce ne sont que des légendes. Des contes de fées. Ne t'engage pas dans cette voie. Tu sais très bien où elle mène. C'est la seule chose qui ait du sens à mes yeux. Je vais trouver le tombeau du prophète, Anna. On est en zone de conflit. J'espère que vous savez ce que vous faites. On y est presque. On devrait tomber sur une oasis dans le canyon. Vous perdez votre temps. Y a rien du tout là-bas. Je vous demande juste de m'y amener. C'est vous le chef. J'aime pas ça du tout. C'est juste... c'est la milice locale. Vous leur avez pas dit où on allait? Ils m'ont donné plus d'argent que vous. Espèce de... Ils étaient pas censés nous canarder! Sortez-nous de là! Merde! Oh non! 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 Bah nous a encore fait une Lara, hein, elle peut pas s'en empêcher. Hein, t'as mal à la tête? Bah oui, bah t'es malchanceuse, écoute, bah pauvre. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des j'aime et un commentaire. Et moi, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de cette aventure folle. Sur Level Down / Dark Funeral. Le lien est dans la description. Je vous dis à tout à l'heure ou à tout de suite, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous fais la bise et à plus. Donc, sous les coups de. 19-20h, plus 20h. On va dire sur les coups de 20h. Allez, la bise tout le monde. Ciao, ciao.